Et les gens, qu'est-ce que t'as? Comment allez-vous? Comment ça va? Moi, ça va pas. On n'a pas beaucoup collaboré aujourd'hui. J'ai bouffé qu'un sandwich. Il est 8h du soir. J'étais pioncé. Il reste un paquet de pâtes. Je pense que c'est ce que je vais me faire plus tard. Là, je vais essayer d'aller m'acheter des bananes. Et pour demain, j'ai pas assez. Ça veut dire que demain, je pourrais pas. Disons que s'ils ne me collaborent pas bien le matin, je vais pas pouvoir appeler ma mère. Voilà que je passe en continu, quoi. Toute la journée, quoi. En gros, j'en ai marre de cette situation. Mais bon, il n'y a pas d'élèves qui sortent. Il y en a des qui prennent mon numéro pour que je leur donne des cours, mais ils ne balbutient jamais. Il y en a des qui me proposent du boulot dans les bus, pareil. J'ai plus de 300 annonces. C'est bon quoi, c'est la gabegie. Hein. Et en plus, il y a eu un incendie pas loin d'ici, entre deux routes d'une avenue, pas loin d'ici. Vraiment, quand je dis pas loin d'ici, c'est vrai, pas loin d'ici. J'ai même pas remarqué ça, moi je suis sorti par ce côté-là et après, on m'a dit, voilà. Et voilà quoi, c'est un jour noir. Les gens collaborent pas. Y a pas de thunes, c'est la crise quoi. Voilà quoi. Et là franchement, je me dis putain, demain j'ose même pas imaginer quoi. Aujourd'hui ils m'ont presque rien collaboré. Ah oui, j'ai les thunes, mais c'est pour demain quoi. Je sais pas ce que je vais faire demain. J'ai ma meilleure amie qui m'a dit écoute, une nana qui te voit pas. À Noël, au jour de l'an ou à ton anniversaire, qui trouve des excuses, qui ne peut pas trouver 5 minutes pour te voir, laisse tomber quoi, elle te valorise pas quoi. Elle peut dire qu'elle utilise sa philosophie à la con, là, de l'intelligence émotionnelle. Voilà, quoi, elle te valorise pas, c'est bon. Voilà quoi. T'as été jusqu'à chercher une autre meuf, ça veut bien dire, ça veut dire quoi. Nos années, elles valent double à notre âge, on dit comme ça. Tout le temps qu'on a, il vaut le double. On a moins de temps, et c'est vrai ce qu'elle dit, c'est vrai. Non, là, t'additionnes rien du tout, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et tout ce qu'elle te dit, c'est travail, économise, parce que voilà quoi. C'est une nana plus tard qui est passée de, on va dire, rebelle hippie à je veux des belles fringues, des hauts talons, une bagnole, une maison quoi. Et pour ça, il faut étudier, pour ça, il faut taffer. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Voilà quoi. Elle, ça lui est arrivé la même chose avec ses enfants. Elle les a fait très tôt, et très 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 tôt. Et ils ont l'âge d'elle, le même âge qu'elle, quoi. Voilà quoi. Et même son fils qui l'a abandonné, quoi. Qui lui parle plus depuis plusieurs mois. Qui vit chez sa tante, qui est une traîtresse. C'est Lima? Non, c'est l'époque actuelle quoi. Là, je sais pas, c'est des bus. Ça se trouve, il n'y en a même pas. Je vais bientôt plus de clope. Enfin, je fumerai pas. Hein. Je fumerai demain, enfin. C'est comme ça. Je fumerai demain, je mangerai demain. C'est l'austérité, les gens. C'est l'austérité jusque. Ouf. Ça va très loin. Hein. Ça montre la réalité, quoi, c'est tout. La réalité, elle n'est pas jolie à voir. Ça s'appelle l'individualisme, l'égoïsme, et puis c'est tout. C'est la nouvelle société. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont solidaires. Il y en a, mais vraiment très peu, quoi. De moins en moins. Enfin, voilà. Moi, je vous laisse.